Depuis plus de 85 ans, l'Institut de formation en soins infirmiers du CHPG forme des étudiantes dans ce domaine. Réputé pour sa notoriété, ses valeurs humanistes ou encore ses promotions réduites, l'IFSI séduit et reçoit chaque année de nombreux dossiers de candidature. La semaine dernière, il a ouvert ses portes pour renseigner sur la formation, les métiers et les spécificités offerts par l'Institut. Des renseignements donnés par l'équipe pédagogique et des professionnels de santé. En ce qui concerne le concours, c'est un adjoint administratif qui s'occupe de ces informations-là. Toute la partie formation, ce sont bien sûr les cadres de santé formateurs. Cette année, j'ai la chance aussi d'avoir les directeurs des soins du centre hospitalier Princesse Grâce qui viennent un petit peu expliquer ensuite le positionnement des cadres supérieurs, les infirmiers, les aides-soignants, enfin dans tout l'organigramme du CHPG. J'ai également quelqu'un de la direction des ressources humaines qui vient leur donner des renseignements sur l'évolution de carrière. Et puis les étudiants, ce sont quand même eux les principaux acteurs puisque ce sont eux qui les accueillent, qui les guident et qui échangent avec eux sur la vie étudiante. Le temps d'une journée, les étudiants ont donc pu collecter toutes les informations nécessaires pour compléter notamment leur dossier d'inscription. Ce qui les intéresse essentiellement, c'est de savoir dans quel type de stage ils vont aller, quels sont les horaires, parce qu'il y a des contraintes quand même par rapport à notre métier. Donc là, la jeune fille que je viens d'accueillir ne savait pas qu'une infirmière travaillait les week-ends. Ça fait partie de son activité. Et puis, bien sûr, comment est organisée la formation, s'il y a des travaux de groupe, qu'est-ce qui est attractif par rapport à cette formation. Puisque quand même, le point essentiel à savoir, c'est qu'à la fois, c'est une formation double diplômante, à la fois, ils ont un diplôme au grade licence et à la fois, ils ont un diplôme d'État qui leur donne le droit d'exercer. C'est un peu ce qui fait la spécificité de cette formation. Table ronde, visite des locaux, partage avec les étudiants des différentes promotions. Grâce à cette journée portes ouvertes, les personnes intéressées auront touché du doigt l'école dans laquelle elles veulent évoluer l'an prochain. Un moment déterminant pour leur future carrière. Je suis aide-soignante actuellement, enfin depuis 8 ans maintenant. Et l'année dernière, j'ai passé le concours infirmier où j'ai été placée en liste complémentaire. Donc j'ai quand même réussi, mais en liste complémentaire. Donc il faut que je repasse cette année pour espérer être en liste principale. Personnellement, c'est mon premier choix, Monaco. On a décidé de venir se renseigner pour voir de plus près ce qui nous attendait, si on était susceptible de continuer dans cette voie et de rencontrer un peu tout le monde et passer une bonne journée aussi, tout simplement. Ouais. Ça a l'air plutôt positif. Hein. Oui, carrément. Justement, est-ce que ça vous a conforté dans votre choix de devenir infirmière? Ah oui, totalement. Ouais. Parce qu'on a vu comment l'ambiance avec les infirmières, enfin les étudiantes qui sont là, elles ont été vraiment... ça a été vraiment très satisfaisant. Accessible, parce que c'est pour la plupart des deuxièmes années et on aurait pu penser que c'était pas forcément dans leurs envies aussi de faire ça, parce qu'on peut comprendre qu'elles ont peut-être d'autres choses à faire, mais elles ont été très accessibles, très souriantes, très à l'écoute, et elles ont répondu à toutes nos questions. Vanina, Marine ou Anna ont jusqu'au 13 février pour remettre leur dossier d'inscription, suivront les premières épreuves orales le 12 mars 2016. Seule une trentaine de personnes sera retenue pour composer la prochaine promotion de l'IFSI de Monaco.